relation. Alors ce soir, concert d'Etana ici au Maximus avec Heineken et Énergie. Forcément un bon concert. Je crois que les gens ont bien compris le truc, ont adhéré à refaire. Moi je dirais franchement excellent. Super moment, beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour. C'est la troisième fois qu'elle vient en Martinique et c'est la première fois que j'assiste à son live au Maximus. Génial, vraiment. Une voix sublime, des cœurs sublimes, une qualité musicale superbe. Donc on en a pour notre argent. Moi je trouve que c'est un réel concept. On a vraiment l'impression d'être... On n'est pas en Martinique en fait. Moi Etana, c'est quelqu'un qui même dans une salle plus petite va créer la proximité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de grâce, beaucoup de goût. Elle nous a entraîné avec elle, donc je suis vraiment enchanté. On sort du cadre habituel en fait. Hein, et voilà, le fait que ça soit Etana, un petit peu reggae roots. Moi je suis venu à la base pour la bonne vibes. J'apprécie, j'ai trouvé ça là. L'interaction avec le public, l'artiste en elle-même. Un bon petit show. Ouais, c'est ça, génial, parfait. Bon, elle est raide. En plus, elle nous donne l'habitude de venir ici, donc c'est vraiment super. J'espère qu'elle va lier encore plus de relations avec nous parce que c'est vraiment une diva de la Caraïbe et elle nous représente autant qu'elle représente la Jamaïque aujourd'hui. Super show, super vibe. Et moi, Etana, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça fait longtemps que je suis un peu. Et puis c'est la 3e ou 4e fois que je la vois sur scène. Et... J'ai trouvé que Etana, en acoustique comme ça, la petite formule acoustique, basse, piano et voix, franchement, c'est un plaisir de redécouvrir ce qu'elle fait. Alors, au top, rempli d'émotions, beaucoup de... J'en ai même eu des frissons. Franchement, Etana, au top, rien à dire, the must.